Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons pirater le MSP Movistar Planet entre parenthèses Melo Chimico. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de la pirater. Melo Chimico ne s'est jamais fait pirater sur MSP. Jamais personne n'est entré sur son compte à part pour faire VIP. Et moi aujourd'hui, je vais faire quelque chose que personne n'a réussi à faire. La accoudée. Nous nous retrouvons sur mon logiciel de piratage. Et j'ai mis des fichiers concernant les serveurs Movistar Planet. Pas besoin de me créer un compte bois aux caisses. C'est si simple de pirater des gens juste avec leur naïveté. Cette vidéo est sur la chaîne de Melo Chimico, c'est que je lui ai piraté aussi sa chaîne YouTube. Mais en fait, je rigolais les gars, en fait c'est Melo Chimico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une putain de nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment pirater quelqu'un avec les tutos de Tata Melo, bien sûr. Donc c'est parti. Donc étape 1 de pirater quelqu'un, c'est de se créer un compte user cruel. Tout le monde le sait, se créer un compte user cruel est la base, comme j'avais fait dans une vidéo, ne jamais faire confiance en personne. Vous voyez que c'est tous des comptes un peu fake. Donc allons nous créer un compte de merde. Aujourd'hui je vais inverser les rôles des personnes qui nous piratent et qui se font passer pour des users cruels. Donc cette vidéo à prendre au second degré bien sûr, et de ne pas marquer putaclic ou plagiat s'il vous plaît dans les commentaires, parce que sinon tu peux carrément quitter ma chaîne et vite te désabonner de ma chaîne, car cette vidéo n'est juste un point d'humour que je peux rajouter sur ma chaîne. Donc après ceci, allons donc chercher un profil de ma petite victime. Ma victime sera donc la petite Kawaii. Nous allons tout de suite aller pirater cette petite. Je vais tout de suite rentrer les informations de cette jeune fille dans mes logiciels. Je me retrouve juste après. Attendez, je me suis trompée de hack. Là, je perds toute crédibilité. C'est une blague ou pas? C'est parti pour retrouver des informations de la petite Kawaii. Donc là, je vais charger mon logiciel de hack, donc avec tous les fichiers sur le côté, bien sûr. Là, nous avons tous les fichiers. Tout recharge, tout charge. Donc je vais pouvoir avoir le mot de passe de la petite Kawaii. Donc c'est pas désolé si vous avez un bout du hack coupé. Tout d'abord, donc lui demander si elle voudrait être VIP. Les gars, cette vidéo est un fiasco. Il est minuit. Le chat n'est plus disponible. Je me suis trollée toute seule, putain. Bon bref, je vais continuer avec mon petit logiciel de hack et je vais tout me compter. Bon bah du coup, j'ai plus rien à faire sur mon compte ta mère en slip. Mais c'est une blague ou je le fais exprès? Je vous ai foutu mes mots de passe dans la gueule. Oh, mais putain, mais je pue la merde. Vous voulez savoir son mot de passe? Bien c'est. Blablabla. C'est bon, je suis sur son compte. Son logiciel est tellement pratique et toujours en train de charger les documents de ce compte. Et je n'accepterai pas les gens. J'en rêve, ils me demandent tout le temps dans mes trucs. Mais quoi, tu pars de mes amis. Pourquoi j'ai pas d'amis sur ce compte? C'est dingue. Je vais aller voir dans les messages. Je ne peux pas les lire, forcément, j'avais oublié qu'il était minuit. Certains diront malaisante, certains diront génial. Oui, je suis ça. J'ai piraté son compte et maintenant je vais changer son mot de passe. Je comprends. Mot de passe, que tu es le. Ah ah. C'est blablabla, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, ton mot de passe a été modifié. Je suis très fière de moi. Ouais, ça m'arrive souvent. Bref, les gens, je reviens ici. Ici, c'est Melo Chimico. C'est Tata Melo pour les intimes. Donc, forcément, vous ne m'avez pas cru sur le coup. J'ai eu beaucoup de trolling dans cette vidéo. Beaucoup de petits imprévus. Je me suis chié dessus total. Alors, je vous ai montré mes mots de passe. J'ai pris un logiciel de merde. Je me suis trompé de logiciel aussi. Enfin, bref, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, ces logiciels, forcément, je vais pas vous faire peur plus longtemps. Ces logiciels sont faux, en fait. Ce sont des simulateurs de hack. Donc, ce sont que des simulateurs. Donc, en fait, vous appuyez, vous faites sur automate. En fait, je vais vous montrer. Par exemple, celui que j'ai pris, c'est celui de My Little Pony. Et bien, vous faites automate qui est à côté que vous ne voyez pas. Malheureusement, je suis désolée parce que j'ai mal cadré. Vous faites automate et en fait ça va générer plein de choses. En fait des choses qui ne valent rien dire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est faux, c'est du gros fake. Parce qu'en fait on comprend pas ce qui a marqué. Ce sont juste des lettres comme ça qui ont été rajoutées ou voilà. Par exemple sur ce truc là je crois qu'il y a un faux mot de passe et un faux compte. Voilà exactement ici, il y a un faux compte et un faux mot de passe. Donc on sait pas d'où ça vient, on sait pas de quel compte ça vient. On sait pas de, voilà, on sait même pas si ça existe. Donc non, ça n'existe pas à côté, donc il y a des fichiers. Donc il y a pas mal de logiciels comme ça, de simulateurs de hack. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça. Moi je trouve ça rigolo, j'ai trouvé ça tout à l'heure et je suis fière de l'avoir trouvé parce que pour faire des trollings c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mon compte n'est pas très bien, hein, malgré que là bon on va dire qu'il y a un petit problème de calvitie. Bref, voilà, enfin c'est pour en fait vous mettre en garde sur tous les hacks qu'il peut y avoir sur MSP. Malgré tout, n'essayez pas d'être trop naïf avec les hackers ou quoi que ce soit, les usures cruelles, les fausses usures cruelles, les gros fakes de pack aussi. Donc évitez d'être trop naïf. Si on vous demande un VIP, il faut vraiment que ce soit une personne de confiance. Voilà, les personnes VIP qui demandent, qui vous veulent vous faire un VIP, ça peut être bon, ça peut être un bon présage. Mais bon, les personnes qui sont un peu chelous et malaisants, non, n'acceptez pas, c'est un conseil de Tata Melo. Bref, non.
Ne faites plus attention aux usures cruelles, etc. Les usures cruelles n'existent plus. Les usures cruelles ne sont pas là pour vous pirater. Les usures cruelles ne vous pirateront pas. N'ayez pas peur. Ne faites pas de vidéos dessus pour créer. Parce que je vois genre des gens qui se font hacker sans se faire hacker. Qui font genre de se faire hacker sans se faire hacker. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est plutôt bizarre. Ça sert à rien de faire ça. Enfin, c'est un truc de... What? Pourquoi je me fais déconnecter? What? Hé hey. Putain, y'a quoi? En fait, c'est une blague. Bref, j'ai pas été hacké. C'est moi qui s'est déconnecté. Enfin, bref. Voilà, ce genre de réactions en vidéo. Voilà, par exemple. Donc voilà, c'était rigolo de faire cette vidéo parce qu'en fait, voilà, j'ai eu plein de merde sur cette vidéo. Donc je suis désolée. De gros imprévus. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Moi, je fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez ce genre de vidéo un peu trolling comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, ça me fait plaisir et moi, ça me fait rire. Donc voilà. Bisous à tous, je vous aime fort.